Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo tuto sur les écouteurs TWS Fairplay pour vous montrer rapidement comment resynchroniser vos écouteurs lorsque ceux-ci sont désappareillés. Donc quand je dis désappareillé, j'entends par là que l'écouteur gauche marche de manière isolée ou alors c'est l'écouteur droit qui marche de manière isolée. Donc c'est très simple. Vous prenez votre smartphone, vous désactivez avant toute chose votre Bluetooth, avec l'accent bien sûr, vous sortez vos écouteurs de leur boîtier. Lorsque vos écouteurs sont désynchronisés, vous avez une LED rouge qui apparaît soit sur le gauche, soit sur le droit. Ce que vous allez faire, vous prenez vos écouteurs à l'envers, comme ceci, et vous allez faire un double clic sur les boutons, sur les deux écouteurs en même temps. Donc, on va le faire comme ça. 1, 2. Je le refais. 1, 2. Faites-le bien avec vos ongles, parce que lorsque vous le faites avec vos doigts, vous avez l'impression d'appuyer des fois, et le bouton n'est pas enclenché. Vous allez voir apparaître du coup une petite LED rouge et blanche qui apparaît simultanément. Donc ça veut dire que vos écouteurs se sont resynchronisés. Et voilà, vous voyez là la manipulation qui dure moins d'une minute. On va quand même vérifier. Hop, on réactive le Bluetooth sur le smartphone. Donc techniquement, on devrait voir apparaître les Fairplay. Hop. Connecté. Donc on va vérifier, allez, avec une petite vidéo YouTube pour voir si les deux écouteurs marchent bien. Et voilà, mes deux écouteurs se sont resynchronisés. Donc là, vous pouvez les remettre dans la boîte normalement. Et voilà.